Je suis très content du nouveau business que je fais à l'heure actuelle. Car cela me rapporte des millions de francs CFA chaque mois. Si cela pouvait continuer ainsi, ça me ferait tellement plaisir. Car je pourrais tranquillement terminer la construction de ma maison d'ici la fin de l'année. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir travailler une seule fois et d'être rémunéré à des millions de francs. Depuis quelques jours, il y a quelque chose qui me tracasse un peu l'esprit. C'est le métier de coiffeur, qui est si rentable que cela? J'ai commencé à travailler dans ce salon, il y a même pas 3 mois. Et en intervalle de 3 mois, mon patron a radicalement changé. Il s'est offert une très belle voiture haut de gamme récemment. Par-dessus de tout cela, il s'était acheté aussi une grosse moto, qui vaut des millions de francs. Sincèrement, je ne sais pas là où il trouve l'argent pour s'acheter tous ces bling-bling. Je pense que le mieux serait de lui demander, car moi aussi, j'aspire à être riche comme lui. Patron, excusez-moi de vous déranger un. J'aimerais vous poser quelques questions. Avec plaisir Victor, raconte-moi tout. Vous savez, je vous admire énormément, et j'aimerais savoir, comment pourrais-je faire pour avoir, si ne serait-ce qu'une, petite partie de votre richesse. Oh, très courageux de ta part Victor. Je trouve que tu es trop petit pour pouvoir comprendre cela. Ah oui. Vous trouvez patron? Bien sûr Victor. Je trouve que tu es encore trop jeune pour pouvoir comprendre ce business. Ok, ça marche patron. Du courage Victor, il te reste encore un peu de temps à passer sous la misère. Il croit qu'il pourra me décourager? Jamais de la vie, je ne baisserai les bras. Il faut que j'arrive à percer l'abondance et la provenance de sa richesse. Car autrefois il avait les mêmes problèmes financiers que moi. Allez vite me chercher les cheveux de ces humains qui sont sur la terre. Car c'est l'un des outils que j'utilise pour pouvoir contrôler leur vie. Ils m'appartiennent. Je dois semer le chaos dans leur vie. Ils doivent être dépourvus de leur chance et de leur bonheur. Leurs finances doivent être détruites. Ils doivent contracter des maladies incurables, comme par exemple le sida. Ils doivent contracter des kystes et des fibromes aussi. Je dois absolument les rendre stériles. Il faut qu'ils soient divisés. Je ne veux pas qu'ils soient heureux et en couple. Je ne veux pas qu'ils vaquent à la prière. Allez me chercher ces cheveux. Car ils me sont très précieux. Je suis prêt à dépenser des milliards pour pouvoir en avoir en ma possession. Car la valeur d'une âme n'est pas comparable à de l'argent. Il faut qu'au jour du jugement, qu'on soit nombreux à souffrir ensemble. Je déteste l'humanité et je ne veux pas les cramer tout seul en enfer. D'accord patron, je ferai de mon possible pour vous ramener beaucoup de sacs de cheveux aujourd'hui. J'irai faire le tour de mes coiffeurs et de mes coiffeuses préférées pour pouvoir en avoir. D'accord, n'hésite pas à dépenser tous ces millions que je venais de te donner pour me ramener tous ces cheveux. D'accord chef. J'espère qu'on va encore pouvoir trouver notre marchandise comme d'habitude. Il n'y a pas de raison ma reine, car ce monsieur respecte toujours ses engagements envers nous. Eh oui, c'est vrai, tu as raison Alex. Mais qui sont ces gens qui viennent souvent voir mon patron tous les 3 jours, à la fin de la journée? Aujourd'hui j'aimerais bien voir ce qu'ils font ensemble. Car, ils m'ont l'air très suspect. Il faut que je m'arrête ici, afin de pouvoir bien les observer aujourd'hui. Tu peux maintenant aller déposer les 2 sacs de cheveux dans la voiture. Ok, ça marche. La chef ne t'a pas remis mes millions aujourd'hui? Elle m'a dit qu'elle viendrait elle-même te la donner. D'accord, ça marche. Je l'attends alors. Ok, parfait.
Je suis tellement contente pour le service que tu nous rends. Moi aussi je suis content pour le fait que vous venez acheter ces cheveux chez moi. Car grâce à vos achats, j'arrive à concrétiser tous mes projets. Oh, pas de quoi faire non. Tu me dépannes, et nous te dépannons aussi. J'espère que tu vas toujours continuer à nous fournir ces marchandises. Bien sûr. Il n'y a pas de raison normalement. Parfait. Merci, beaucoup en tout cas, pour les millions que vous venez de me donner. De rien Fernand, tu le mérites amplement. Mais, ce n'est pas les deux sacs de cheveux qu'il m'avait dit, qu'il ira les jeter lui-même tout à l'heure. Je comprends maintenant, pourquoi il ne voulait que personne ne touche à ses cheveux, une fois, qu'ils étaient tombés, de la tête de nos clients. Waouh ! Incroyable mais vrai. Je suis en train de voir les millions de francs qu'il venait de recevoir. Je pense que, je venais de dénicher l'une des clés, qui lui permettait de générer beaucoup de cash, en un temps record. Je ne pouvais jamais imaginer, qu'il pouvait vendre, les cheveux de nos clients, à des particuliers. Je commence vraiment à avoir très peur de mon patron. Car je n'ai même plus envie, de retourner dans ce salon. Que fais-tu, encore ici Victor? Tu n'es pas encore rentré chez toi? Non, patron. J'attends un ami. D'accord Victor. Rentre bien chez toi alors. Allez, on se dit à demain? Oui patron, à demain. Incroyable mais vrai, je suis vraiment dépassé. Je n'en reviens toujours pas. J'irai directement me confier à mon père. Car je n'ai pas envie qu'il me transforme en de l'argent. Plus jamais encore je mettrai mes pieds à nouveau dans ce salon. Nous avons réussi. Mon chef sera tellement content de moi. Tu m'étonnes. Bon, il est l'heure que je l'appelle pour qu'il vienne chercher déjà ces deux sacs bien remplis de cheveux. D'accord. Tu peux déjà venir chercher tes sacs ? Super, je suis très content de toi. Tu es un bon serviteur. De rien, chef. Il faut que j'aille vite récupérer les autres sacs de cheveux. Ok, ça marche. Je vais pouvoir commencer mes incantations dès ce soir. J'ai hâte que mon père vienne à la maison pour que je lui raconte ce qui s'était passé aujourd'hui. Je suis vraiment dépassé. Je ne pouvais jamais imaginer que mon patron faisait un truc pareil. J'ai très peur pour ma vie. Il faut que je lui raconte absolument tout, pour qu'il vienne me sauver. Comme, je te le disais papa. Mon patron vend les cheveux des clients qui viennent se coiffer chez nous. Il est également dans des affaires pas très catholiques. Ce que tu me dis est très grave. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus à l'atelier. Quant à moi, j'irai au commissariat pour dénoncer ce monsieur. D'accord papa. Plus jamais encore, je remettrai les pieds dans cet atelier. T'inquiète même pas, je m'en vais tout de suite le dénoncer. D'accord papa. Voilà monsieur, vous devez me suivre au commissariat pour répondre de vos actes. Pourquoi ? Nous avons la preuve que vous commercialisez les cheveux des clients qui viennent se coiffer chez vous. Mais qui est-ce qui vous a dit cela? Suspense, tu le sauras quand tu seras dans ta cellule. Pardonnez-moi monsieur l'agent. Ne saviez-vous pas que c'est un délit que vous commettez en mettant en vente les cheveux de vos clients? Je suis vraiment désolé monsieur l'agent. As-tu pensé à la vie de ces clients que tu détruis? Comme vous venez ici, priez pour les prisonniers. Je préfère me confier auprès de vous.
Voilà un peu ce qui m'avait conduit en ce lieu. Je vendais les cheveux de mes clients, à prix d'argent. Ce que vous avez fait est très très grave. Ne savez-vous pas que les cheveux sont sacrés ? Non, je ne le savais pas, évangéliste. Laissez-moi vous dire que, rien qu'au travers des cheveux, on peut contrôler la vie d'une personne. Ne saviez-vous pas que vous étiez en train de sacrifier la vie de ceux qui viennent se coiffer chez vous ? C'est très dangereux ce trafic. Les enfants peuvent facilement perdre leur intelligence et devenir simplement rebelles à leurs parents. Uniquement en manipulant les cheveux, les individus œuvrant dans le domaine mystique peuvent s'approprier le bonheur d'une personne et ruiner totalement sa vie. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Cependant, laissez-moi vous dire que vous êtes responsable du malheur qui arrive dans la vie de vos clients. Je vous en conjure. Ne reprenez plus jamais cela. Il faut que vous abandonniez ce business et donniez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Car si jamais quelque chose vous arrivait, dans cet état, vous allez rendre compte de vos actes à Dieu. Vous savez quoi? Je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur du mal que je faisais à mes clients. Je me suis juste focalisé sur l'argent que je gagnais au travers de ce commerce. D'accord, vous savez quoi? Matthieu 10 verset 30 nous dit ceci. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne savez-vous pas que la richesse mal acquise ne profite pas? Je regrette sincèrement mon acte. Je suis prêt à tout reprendre à zéro. Déjà que la police a saisi tous mes biens. Je suis très content pour le fait que vous regrettez votre acte. Et que vous êtes prêt à tout reprendre à zéro. S'il vous plaît, priez pour moi, afin que Dieu puisse me pardonner tous mes péchés. Ok, ça marche. Répétez cette prière après moi. D'accord. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et repentant. Je reconnais mes fautes et mes erreurs, et je regrette sincèrement les péchés que j'ai commis. Je te demande pardon pour tous mes manquements et mes transgressions, connues et inconnues. Purifie mon cœur et mon esprit, Seigneur, et accorde-moi ta miséricorde. Aide-moi à me détourner de mes mauvaises voies et à suivre le chemin de la droiture. Renouvelle en moi un esprit droit et donne-moi la force de résister à la tentation. Je te remercie pour ton amour infini et ta grâce, et je te prie de me guider chaque jour vers une vie qui te plaît. Que ta volonté soit faite en moi et à travers moi, et que je puisse être un témoignage vivant de ta bonté et de ta compassion. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et repentant. Je reconnais mes fautes et mes erreurs, et je regrette sincèrement les péchés que j'ai commis. Je te demande pardon pour tous mes manquements et mes transgressions, connues et inconnues. Purifie mon cœur et mon esprit, Seigneur, et accorde-moi ta miséricorde. Aide-moi à me détourner de mes mauvaises voies et à suivre le chemin de la droiture. Renouvelle en moi un esprit droit et donne-moi la force de résister à la tentation. Je te remercie pour ton amour infini et ta grâce, et je te prie de me guider chaque jour vers une vie qui te plaît. Que ta volonté soit faite en moi et à travers moi, et que je puisse être un témoignage vivant de ta bonté et de ta compassion. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Le Seigneur fera grâce, et dans peu de temps vous allez sortir d'ici. Amen. Je le crois fermement. Je venais d'apprendre dans les infos que mon coiffeur préféré a été arrêté à cause d'un trafic de cheveux. Je ne savais pas qu'il vendait nos cheveux à des gens mystiques. Je comprends un peu maintenant d'où venait mon problème de maux de tête. J'avais complètement perdu mon intelligence et ma sagesse. Je ne comprenais même pas pourquoi je ne travaillais plus en classe. Oh, Seigneur! Merci de m'avoir révélé cela. Merci d'être un père pour moi. Que tout ce que l'ennemi avait récupéré en moi soit brisé et consumé par le feu, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Oh Seigneur, restaure mon intelligence, restaure ma sagesse, restaure ma vie. Viens prendre contrôle de ma personne, afin que l'ennemi n'ait plus accès à ma vie. Que tous les cheveux que l'ennemi a
en sa possession, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, viens restaurer mon âme, et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Salut, évangéliste. Salut frère. Je suis enfin libre. Gloire à Dieu. Par contre, j'ai tout perdu. Je n'ai nulle part où aller. Je suis obligé de tout reprendre à zéro. T'inquiète pas. Je vais t'apporter mon soutien, jusqu'à ce que tu trouves à nouveau un travail. Merci beaucoup évangéliste. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Rendons toute la gloire à Dieu. Maintenant, on y va ? Oui, on y va. Ils ont réussi à décourager ceux qui me vendaient les cheveux. Je les aurais certainement sur un autre chemin. Chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de prier avant d'aller vous coiffer chez le coiffeur. Car, certains sont très mal intentionnés. Et à cause de l'argent facile, ils sont prêts à sacrifier votre bien-être. N'oublions pas que, 1 Thessaloniciens 5, verset 16 nous dit, de prier sans cesse. Ô Seigneur, préserve tes enfants de tous les ruses de l'ennemi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Êtes-vous passionné par la création de vidéos? Avez-vous toujours rêvé de transformer votre passion en une source de revenus sans forcément montrer votre visage? Alors, notre formation est faite pour vous. Avec notre logiciel, vous pouvez créer des vidéos d'animation en quelques clics sans avoir besoin de compétences techniques complexes. Que vous soyez un débutant ou un expert, notre plateforme conviviale vous permet de donner vie à vos idées de manière simple et intuitive. Mais ce n'est pas tout. Notre formation va au-delà de la simple création de vidéos. Nous vous montrons comment utiliser efficacement votre contenu pour générer des revenus grâce à YouTube. Apprenez les stratégies de monétisation les plus efficaces et découvrez comment maximiser vos gains tout en construisant une audience fidèle. Notre équipe vous guidera pas à pas, vous donnant les connaissances et les outils dont vous avez besoin pour réussir sur YouTube et gagner votre vie décemment. Et ce n'est pas tout. Nous partagerons votre chaîne YouTube une fois que cela sera créé sur nos différents canaux afin de vous donner de la visibilité. Rejoignez des milliers d'autres créateurs qui ont déjà transformé leur passion en profit grâce à notre formation. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez votre voyage vers le succès sur YouTube. Ne laissez pas passer cette opportunité de réaliser vos rêves créatifs tout en générant des revenus sur YouTube. Rejoignez-nous dès maintenant et commencez à créer, monétiser et prospérer avec notre logiciel. Allez, à très vite.